regaló la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. Y la sonrisa de mamá al verme deletrear los primeros pasos, los poderes de sus dioses, su Dios y sus anhelos. Allô, Belki, ça va? Bien, mais je suis devant chez toi. Je peux te voir un instant? Oui, bien sûr, donne-moi un instant. J'ai pas pu dormir, ni étudier, ni manger, ni même me calmer. Oh, Manuel, pardonne-moi de me présenter comme ça, mais j'avais... besoin de parler à quelqu'un. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Viens, c'est ici. C'était une bonne idée d'inviter Rodrigo, n'est-ce pas? Tu as vu que... Julie passait plus de temps avec nous et ne courait pas discuter avec ses amis. Allez... Tu fais quoi, là? Après 15 ans de mariage, il faut vraiment que j'explique ce que je fais. Je vais dire un truc. T'es vraiment incroyable. Je comprends pas comment tu peux être intime avec une femme que tu ignores systématiquement. Je vois que tu es toujours en colère. N'en fais pas une histoire aussi importante. C'est exactement ça le problème. Rien de ce que je ressens ou pense n'est assez important pour toi. J'en ai marre d'être ignorée tout le temps, dans ma propre maison, par toi et Rouliana. Oh, allez, tu n'es pas obligée de faire ça non plus. C'est la première fois, Connie. La première fois, Alfonso? Ça fait genre 500 fois. D'abord parce qu'elle était orpheline et que c'était un bébé. Ensuite parce qu'elle a grandi sans maman. Ensuite parce qu'elle est devenue adolescente. Et maintenant parce qu'elle est entrée à l'université. Est-ce que je me trompe pas? Je n'avais aucune idée que tu n'allais pas bien, pour être honnête avec toi. Que je me sens pas bien, je pourrais être en train de mourir et tu le remarquerais pas. Oh, allez, s'il te plaît. J'ai plus envie de parler. Oh non, le matelas de la chambre d'amis est super dur. Je n'arrive pas à dormir. Eh bien, si tu veux, je peux prendre cette chambre et tu peux rester oh, là. Non, 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 tu n'es pas obligé de faire ça, hein. Et en plus, Sylvia ronfle très fort. Pourquoi ne pas juste rester ici un moment, hein? D'accord? Maintenant, dis-moi, tu connais bien mon père. Tu penses qu'il va me laisser entrer à l'université? Ton père est un homme difficile à lire. Il a ses problèmes... Mais je pense que oui. Eh bien, je pense que si les professeurs lui disent qu'il n'y a pas de problème, il se détendrait un peu. Tu crois que tu pourrais m'aider avec ça? Merci. Oh, ça te dérange si je fais une petite sieste ici? Je suis fatiguée. Eh bien, c'est ta chambre. Dis-moi, quand as-tu décidé de devenir pathologiste? J'étais avec la fille de cet homme. J'ai pensé à des choses horribles. T'es vraiment têtu comme personne, tu le sais, ça? Je voulais juste que Barragan ait peur. Et qu'il ressente... ce que sa fille ressentirait probablement. Belki, qu'est-ce qui se passe si Barragan... continue de te hanter?
Et s'il trouve quelqu'un de ta famille à qui faire du mal, hein? Qu'est-ce que tu ferais? Rien. Il n'oserait pas. Il n'oserait pas. Cet homme est un porc, Belki. Je connais ce genre de personnes. Je sais de quoi elles sont capables. Allez. Laisse-moi te ramener à la maison pour qu'elle ne s'inquiète pas pour toi, d'accord? Écoute, demain il y a une activité au programme là-bas et le docteur Tatiana m'a demandé si on pouvait y aller un peu plus tôt. Demain? Eh bien oui. Rodri, je sortirai de ce lit immédiatement si j'étais toi. Mon père va m'appeler pour le petit déjeuner d'une minute à l'autre, alors... Vraiment? Oui. Oui, s'il ne dort pas, personne ne peut dormir. Telle est sa devise. Excuse-moi. Bonjour. Bonjour. Tu as bien dormi? Bonjour. Oh, Connie, peux-tu s'il te plaît dire à mon père que je serai là pour le petit déjeuner? Je vais m'habiller, merci. Alors commencez par me dire d'où vous venez. D'où venez-vous? Narigno. Kibdo. Tumaco Narigno. Kimbiti, Coca. Kibdo. Et vous? Santa Marta. Très bien, alors vous allez devoir remplir ces formulaires de bienvenue. Très bien. Merci. Belki, ne me refais plus jamais ça et réponds à ton foutu téléphone. Enfin, moi je suis morte d'inquiétude avec ce qui se passe. Vous avez raison, je suis désolée, docteur. D'accord. Bon, j'imagine que vous voulez m'en parler en privé, non? Non, docteur, je dois vous parler à toutes les deux. Mais que veux-tu dire? On n'est pas venu ici pour une activité? Non, en fait, l'activité a été annulée parce que vous savez, on devait y aller avec des filles. Mais elles avaient un petit peu peur de venir, alors on va rien faire finalement. Eh bien, ces filles sont terribles. Non, excusez-moi. Seulement Sylvia. Moi? Ouais. Merci. Je peux te préparer un cappuccino, tu aimerais? Non, merci. Non. Et un macchiato avec de la mousse, comme tu aimes? Non, pas vraiment, ça ira. Papa? Julie? Tu ne vois pas que je suis en train d'essayer de réparer le désordre d'hier? Oui, je voulais te poser une question, mais comme je peux pas, eh bien... Je t'en prie, demande. Avez-vous pensé à quelque chose à propos de l'ouverture? J'ai parlé à Rodrigo jusque tard, eh bien, pour être honnête avec vous, nous ne voyons pas de raison pour laquelle je ne pourrais pas entrer. Julie, pourrais-tu ne pas être pour une fois dans ta vie, au moins pendant le petit déjeuner, le centre de toutes les attentions? Et pensez-vous que nous pourrions partir plus tôt ou devons-nous partir en courant comme vous aimez le faire habituellement? Non, non, c'est moi qui devrais partir. Et pourquoi toi? Je dois traverser le laboratoire puis l'hôpital. J'espère que vous comprenez que je dois y aller. Si vous m'excusez tous, merci. D'accord. Bye. Je vais chercher mes affaires. Docteur, merci beaucoup. Merci pour tout. Connie, au revoir. Au revoir, bon voyage. Merci. Sylvie, au revoir. Au revoir. Excusez-moi. J'avais besoin de vous dire quelque chose de sérieux à vous deux. La personne qui a remis par erreur la liste avec les noms des personnes du programme aux gens de Barragan, c'était moi. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis par erreur, Manuel? J'ai donné la liste à mon parrain, il m'a dit qu'il allait les aider à trouver un travail. Et comme il m'avait déjà aidé, eh bien je pensais qu'il allait m'aider aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire si c'était nous qui vous avions trouvé ce poste, hein? Mais il m'a dit qu'il l'avait aidé, et c'est pour ça que je lui ai donné cette liste. Il est membre de l'armée. Et tu n'as pas pensé une seconde que peut-être qu'il t'avait demandé ça? Prêt à nous avoir? Non, Belki, ça ne s'est pas passé comme ça.
m'en suis rendu compte hier et... Je me sens vraiment mal parce que je me rends compte que je t'ai mis toi et les gens du programme en danger. Et comment ça, tu l'as découvert hier, c'est ça? Ah mais me regarde pas! Tu es le seul idiot qui... Non, non, un instant, Belki. Ce que j'ai fait était mal, oui, mais... Mais tu dois dire au docteur ce que nous avons fait hier. Attendez. Qu'est-ce que vous avez fait, hein? Parce que pour l'instant, je ne comprends rien. Alors commencez à parler, dites-moi ce qui s'est passé. Hein? Rien, docteur. J'ai croisé la fille de Barragan. Emmanuel m'a accompagnée. Non. Tu as organisé un rendez-vous avec Barragan et tu as fini par rencontrer sa fille, ce qui est très différent. Mais t'es folle, Belki? Barragan, le colonel, mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Pourquoi est-ce que vous organisez des rendez-vous avec cet homme? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Il m'a appelé pour me menacer! Ah, et pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit alors? Parce que vous m'auriez dit que vous alliez ouvrir une enquête ou que le programme ou je ne sais quelle autre excuse. Et je ne peux pas risquer que quelque chose m'arrive encore ou à qui que ce soit d'ailleurs. Et alors qu'est-ce que t'as fait? Vous êtes allé le menacer ou quoi? Hein? Oh, docteur! Non, docteur, mon plan n'a jamais été de rencontrer Barragan. Je voulais juste emmener sa fille manger une glace dans un centre commercial. Et c'était tout. Je voulais seulement qu'il sache que je la connais et que je sais où elle habite. Et que si quelque chose m'arrivait à ma famille ou à quelqu'un du programme, il la mettait en danger. Ah oui? Écoute, Belki. Pourquoi tu prendrais pas un fusil et retournerais d'où tu viens? Ah, ça n'a rien à voir avec ça. Ah non? Eh bien, tu sais quoi? Moi, je pense que ça a beaucoup à voir avec cela. Parce que tu viens tous de nous mettre à nouveau en danger. Qu'est-ce non, qui va pas chez toi? Non. Non, madame. Ce n'était pas moi, c'est lui qui a donné la liste. Non, ce qu'a fait Manuel est très grave. Et il va devoir en payer les conséquences. Mais toi, qu'est-ce qui va pas chez toi? Est-ce que t'as oublié tout ce que tu as fait pour en arriver là où tu es maintenant, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux plus être médecin ou quoi? Ne dites pas ça, docteur, je n'ai jamais dit ça. Alors quoi, tu veux être médecin et à tes heures perdues, guerrière? Je suis une militante de la guérilla! Oui, eh bien ce que t'as fait, c'est ce que font les guerrieros. C'est ce que font les gens qui décident de vivre hors la loi. Ou est-ce que tu crois que tes camarades de classe organisent des rendez-vous avec les parents de leurs ennemis dans le but de les menacer? Hein? Belki, tu ne réalises donc absolument pas tout ce que ces gens ont fait pour toi? Ta famille a changé sa façon de vivre. Manuel? Et moi-même avons changé de ville pour toi. Et maintenant tu dis ça? Je sais, docteur. Et c'est pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Tu sais quoi, Belki? Je fixe la limite. Je vais te retirer du programme, Belki. Nous allons te retirer tes privilèges parce que tu ne mérites pas d'être là. Hein? Ce que t'as fait est très grave, tu m'as bien entendu? Non. Non, docteur, ne me dites pas ça, s'il vous plaît. Vous pouvez pas me faire ça. Vous savez que j'ai besoin d'aide. Ma famille a besoin d'aide. T'aurais dû y penser avant, tu crois pas? Vous auriez dû y penser tous les deux. Ce que vous avez fait est très grave. Et cela a des conséquences. Hmm? Heureux maintenant? Regarde ce que t'as fait. Tu vois de quoi tu m'as embarqué? Je sais que j'ai vraiment foiré, mais je l'ai fait seulement pour que tu t'exposes plus comme ça. Pour que plus rien ne t'arrive. Tu viens de me mettre à la rue, Manuel. Je ne peux pas payer mon crédit seul. Et je ne peux pas aider ma famille toute seule, je ne peux pas le faire seule. Je sais, mais je ne pensais pas qu'elle allait te virer du programme. Je pensais qu'elle allait te gronder et c'est tout. Belki, je l'ai fait parce que je t'aime. Eh bien, si c'est comme ça que tu m'aimes, alors arrête de m'aimer. Belki, tu penses que tu es la seule personne à qui on a volé son enfance? Tu crois que tu es la seule à avoir été blessée et torturée, c'est ça? Eh bien, laisse-moi te dire que tu as tort. Je n'ai jamais dit ça. Non, mais tu agis comme ça. Dans la guerre dans laquelle tu étais, on était tous là.
de différents côtés, oui, ça c'est vrai, mais laisse-moi te dire qu'on a dû vivre les mêmes conneries. Et le fait que je ne me plaigne pas toute la journée de ce qui m'est arrivé et de ce qu'ils m'ont fait, ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas produit. Attends, s'il te plaît. Laisse-moi prendre ça, chérie, ça doit être lourd. Est-ce que ça te va si Sylvia accompagne Juliana à la place? Non, je suis venue avec elle et je trouve que c'est mal élevé de la laisser seule. On se verra tout à l'heure à la maison. Oui, chérie, mais tu vas me manquer et... Oh, Alfonso, arrête maintenant de vouloir réparer ce qui s'est passé hier soir. Le granola, le macchiato et l'avoine, tout ça, ça va rien arranger. Pourquoi tu parles pas avec Juliana et... Vous essayez de régler cette histoire d'université. On sait jamais, elle va peut-être commencer à se comporter comme une fille de son âge. Ok, allons-y. Merci pour tout, Alfonso. Au revoir, à bientôt. Merci à toi. Merci, on recommence bientôt. Ce n'est pas possible. Tu laisses la femme dormir sur le lit à côté de toi, c'est pas vrai. Eh bien, si ça n'a pas d'importance, tu ferais aussi bien de coucher avec elle, tu ne penses pas? Non, allez, tu me connais. Je veux dire, j'aurais aucun problème à faire ça. Mais non, je ne l'aime pas. Ne me dis pas que tu n'aimes pas cette petite chose. Elle est si délicieuse. Eh bien, oui, juste une nuit avec elle, oui. Cool, gentil, et c'est juste pour qu'elle me laisse tranquille. Mais non. Bien sûr, ce ne serait pas la même chose que Connie. Quoi? Tu l'as aimé toute ta vie, mec, depuis que tu étais son élève. Hé, mon frère, de quoi tu parles? C'est l'épouse du doyen, le frère, la presque mère de Juliana. Mais c'est pourquoi? Elle est deux fois plus interdite et deux fois plus délicieuse, mon frère. Écoute-moi. Oh, je dois y aller maintenant. Non, qui t'a appelé? C'est un étudiant et c'est un habitué des crises. J'ai exagéré sur le clonazépam, alors maintenant nous travaillons à nous adapter au nouveau monde. Oh... Je suis en route, j'arrive. Je t'ai embrassé, mais j'ai fini par coucher avec Juliana, hein? Oh non, il manque vraiment pas de culot, celui-là. Je te l'accorde, c'était un peu étrange, mais au final, je m'en fiche complètement. En fait, je pense que c'est génial pour Juliana d'être avec lui. Parce que Rodrigo est un type sérieux, travailleur, et ça pourrait l'aider à mûrir un peu, on sait jamais. Oh, Connie... T'es sérieuse? Vraiment quoi? T'es vraiment sérieuse, là? Oui, oh. Je suis sérieuse. Oui, je suis sérieuse, et en plus, ça correspond au baiser qu'il m'a fait, et puis voilà. J'ai des gros problèmes. Et Connie a raison. Il ne s'agit pas seulement des fruits de mer, c'est tout. Je l'ai beaucoup négligé, comme si tout était évident. Alors, maintenant, tu vas devoir faire des mérites? Non, il ne s'agit pas de la mériter. Juste de lui montrer à quel point je l'aime, ce sera bien. Mais je ne sais pas comment. Que dois-je faire? Donne-moi des idées. Je ne sais pas. Offre-lui quelques fleurs, par exemple. Une, deux... Bah non, n'importe qui peut faire ça. Alors, emmène-la au restaurant ou alors, offre-lui une sérénade? Non, pas du tout. Tu sais, je ne cherche pas à la surprendre. Ce que je veux, c'est... Je veux quelque chose de réel. Je veux qu'elle réalise à quel point je l'aime. Vraiment? Je pense que tu exagères, papa. Je crois pas. Non. Je pensais la même chose, mais elle est furieuse, elle est blessée et elle est affectée par tout cela. Je sais que je suis pas l'homme le plus démonstratif, le plus affectueux du monde, mais j'aime cette femme. Non, mais c'est vrai. Je pense que Rodrigo a fait ça parce que... Bon, d'abord, on avait tous bien bu, et d'un autre côté, parce qu'il est très gentil. En plus, pour le petit déjeuner et tout, il voulait que je me sente bien. Et comme il l'avait dit, il voulait que je me sente pas invisible. Et a-t-il réussi? Eh ben ouais, pour être honnête. Bien sûr. Au plus profond de moi, quelque chose a bougé. Il m'a juste fait sentir que quelqu'un pouvait réellement s'intéresser à moi. Bien sûr. Et il fallait que ce soit l'homme qui couche avec la fille de ton mari. Hein?
Quelle coïncidence, non? Non, mais ce baiser ne signifie rien, de toute façon. Je ne suis pas d'accord avec toi. Mais je pense que ce type est vraiment fort. Je sais. Emmène-la en voyage. Waouh! C'est une bonne idée. Ça fait longtemps que nous n'avons pas fait de voyage ensemble et elle adore voyager. Tu ne vas pas me laisser ici, n'est-ce pas? Je n'ai toujours pas de vacances. Parce que je vais commencer mes études de médecine bientôt, n'est-ce pas? Pourquoi ne changeons-nous pas de sujet, hein? Et Rodrigo? Il semble que tu l'apprécies beaucoup. Oui, c'était sympa de lui parler hier soir, oui. Je l'aime bien. Merci de l'avoir invité, mais c'est tout. Écoutez, sa vie est quelque part dans ce foutu programme. Vous savez, ce foutu programme de réinsertion. Ah oui, ce programme pour aider ces criminels. Oui, exactement ça, mon colonel. Quoi d'autre? Sa famille et son lieu de travail. Le centre d'appel? Oui, celui-ci, mon colonel, regardez. Lors des réunions de ce programme, elle passe du temps avec cette dame qui est la psychologue du centre. Et voici mon filleul, qui pour l'instant est aussi dans ses bêtises. Il me procure les photos d'un prêtre qui fait aussi partie du programme, de sa famille également. Et voici son patron. Eh ben ça, dis donc, ça vaut le coup. Je savais que ça allait vous plaire, mon colonel. Et en plus, là où on vise, on met la balle, n'est-ce pas? Qu'est-ce que t'as d'autre? Quels sont vos ordres? Qu'est-ce que nous faisons? Non, on fait rien pour l'instant. Mais je vais te garantir une chose, baronne. Depuis que cette femme a pris la décision d'entrer chez moi, sa vie va être très différente. Elle a signé son arrêt de mort. Nous devons faire quelque chose à propos de la vidéo, mon colonel. Nous devons avoir une longueur d'avance sur cette criminelle avant qu'elle ne commence à en distribuer des copies partout. Non, elle va pas le diffuser tant que je tiens parole. Et c'est pour ça qu'on doit absolument savoir qui est la personne qui est son bras droit. Celle qui pourrait avoir cette information. Mais j'ai besoin que tu cherches quelqu'un d'autre maintenant. Je te donnerai toutes les infos demain. Merci.